jeu commence à dater. Donc en effet, il n'y a plus beaucoup de gens qui stream dessus, hein, mais. Voyez, on est toujours là, tous ensemble, à tenir le coup, bien évidemment. Mais, et voilà. Ah, de toute façon, c'est un petit jeu tranquille entre nous. Vous inquiétez pas. Hop, petite scène, petit Pokémon. Et on va se mettre bien pendant 2 heures. Hein. Alors, c'est pas 2 heures de ce Pokémon-là. Qu'est-ce que je fous à Méanville? Ah oui. Mais les Pokémon sont maxés, hein. Enfin, les autres. Oui, tu fais maxé, 35, c'était bon. Non, mais j'ai eu un petit peu peur, excusez-moi, là. J'ai un petit moment de frayeur. Là, il faut leur faire prendre 2 niveaux à tous. Sachant que les autres qu'on a capturés, donc à savoir Scrutel. Le Scrutel là qu'on a appelé Jean. Comment on l'a appelé, Doudouvé déjà? On avait un Doudouvé, il me semble. Belle là. Voilà, bon, DFK, on n'en parlera pas. Hein. Petit souci de compréhension. Ils montent de l'XP là-dedans ou ils sont remis au niveau 50? Les Pokémon restent quand même, on pourrait combattre là-dedans aussi. Hein. Mais je pense que c'est assez pourri, bizarrement. On teste une fois en vrai. Juste pour voir si le métro de combat c'est bien. Le train wifi, il n'y a pas un train solo multi super multi, ça c'est Rotembourg super duo train duo super solo. En vrai on peut tester hein. Salopard, excusez-moi. Ouais, faudrait qu'on teste au moins une fois, voir si on peut XP là-dedans. Non, ça sent la merde remis au niveau 50, ça. Non, ça peut en inscrire que 3, ça sent le truc remis au niveau 50, c'est pas bon pour nous. On se casse. Non, non, là, je vous assure, c'est pas bon pour nous là. Je vous assure, là, je viens de nous sauver d'un truc là. Après, vous me direz, la session farming, c'est pas spécialement mieux, mais on fera avec. Donc là, en fait, le but, c'est de les monter tous. Alors, attention. Exception faite, on va mettre Jin et Bella au niveau 30. Et eux vont prendre 2 niveaux. Donc 34 pour Max, 32 pour DFK et 30 pour Jin et Bella. Là, ça va être le truc. Après, on va prendre un niveau de l'autre côté. Les Pokémon qu'on capturera. Pas besoin de l'XP du coup en vrai, les Pokémon qu'on va capturer. Dans le sens où le Pokémon qu'on va capturer. Il ira dans le PC quoi. Sauf si c'est un Chinchidou, mais. Je sais pas. On verra le Pokémon qu'on va capturer si on met dans notre équipe. De toute façon, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ouais, on verra. Donc, ça sera du coup à mettre au niveau 31, je pense, de base. Histoire de poser quand même certaines limites. Ce sera 35 aux prochaines herbes après qu'on aura dépassé. Enfin, on verra, on verra. Là, on ne tombe pas la tête pour l'instant. Là, le minimum, c'est niveau 30 pour les Pokémon qui y sont pas et 2 niveaux pour les Pokémon qui sont au plus du niveau 30. Alors, du coup, on a une heure. Une petite heure sur ce jeu. Tranquillement. Il est quelle heure? Il est 50. Enfin, ça fait 51 minutes qu'on stream. Je pense qu'on peut se poser pendant, oui, on fait une petite heure 10 sur ce Pokémon. A savoir que j'ai casé une autre aventure en Nuzlocke pour deux raisons. Ça vaut le coup d'ailleurs d'en parler. Et d'ailleurs, actuellement, comme ça, YouTube pourra potentiellement avoir l'information également, parce que je laisserai peut-être ça dans le best-of. Parce que normalement, ça m'étonnerait que quand cette vidéo sorte sur YouTube, j'ai fini le best-of, enfin le Nuzlocke de l'autre. C'est simple. Pokémon Nord actuellement, hier est sorti. Avant-hier. Excusez-moi, est sorti le best-of de la route 3. Actuellement, depuis ce matin, j'ai repris un petit peu, pas entièrement, le best-of de la ville de Maillard. Maillard, c'était il y a... pardon, excusez-moi, je clique sur des boutons random en plus, là. Donc je fais bien de la merde. Maillard, c'était il y a... Allez, petit chiffre random, c'était il y a 2 villes. J'ai raison, je le sais de toute façon. C'était il y a 2 villes. Il y a 2 villes, les gars, je peux vous dire, c'est trop tard en fait, il y a beaucoup trop de choses à faire, et donc du coup, j'ai du retard.
J'ai du retard dans le montage du best-of parce que je me suis pas assez consacré, parce qu'il y avait le mindshap qui est actuellement en cours, plus le montage, etc. Donc actuellement, niveau 31, donc plus qu'un niveau pour DFK. C'est pas mal, il était monté avant nous, hein, on va au niveau 32, ça va être cool à monter. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'on va avoir des, entre guillemets, problèmes de retard. Donc du coup, là, si je continue sur des vagues de 2 heures, on va avoir un décalage entre YouTube et Twitch de plus en plus important, déjà qu'il est déjà important et qu'il va encore l'être. Le seul truc, entre guillemets, qui nous sauve, c'est qu'on passe des heures et des heures à faire de l'XP, en fait. Et bon, ça m'avantage pas, moi, quand je dois m'occuper des montages, mais ça me permet quand même de rattraper un petit peu en retard. Donc là, Maillard devrait être prêt cette semaine, si tout se passe bien. Je dois encore avoir une petite heure à regarder, que je regarderai sûrement demain, si j'ai le temps. Je ferai le montage mercredi, normalement, mercredi prochain, vous devriez avoir potentiellement, si je ne me trompe pas, 25, 26, 27, 28, ça devrait être bon. Mercredi prochain, vous devriez avoir normalement le best-of de Bayard qui sortira et le champion d'arène. J'aimerais bien vous dire vendredi ou samedi prochain, mais je peux pas vous le promettre quoi. Normalement, vous devriez avoir deux best-of Pokémon la semaine prochaine, plus les clips, comme je vous le disais, qui sortent tous les 29 du mois, les petites compiles de clips du mois passé sur Twitch. Alors, vos clips à vous, hein, pas les miens. Donc la dernière fois j'avais pris mon retard donc ça faisait pas mal de temps. Là j'ai eu 3 clips à faire pour ce mois-ci par exemple donc c'est pas trop mal. Mais voilà ce qui devait vous attendre pour YouTube en fait, hein. Pas grand chose puisque YouTube après on en reparlera un peu de YouTube. Mais surtout sur Discord, donc c'est pour ça qu'il faut plus être sur Discord qu'autre chose pour l'instant. En termes de réseaux sociaux. Donc voilà la raison pour laquelle je fais ça, c'est donc en premier lieu pour diminuer un petit peu le retard qu'il y a entre Twitch et YouTube. Mais également parce que ce Nuzlocke que je vais faire après me... beaucoup, c'est-à-dire que je me suis moi-même hypé avec ce Nuzlocke. Donc du coup, j'ai envie de le faire. Le problème, c'est que si je le fais une fois que j'ai fini Pokémon Noir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Que le Nuzlocke casse, soit cassé du moins par le Pokémon de la 9G? C'est très probable. Non, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est surtout de comment dire? Comment je pourrais appeler ça? De le caser un peu avant. C'est deux Nuzlocke très différents. Le Nuzlocke de Pokémon Diamant et Argent ne se retrouvera jamais sur la chaîne principale du YouTube en best-of, d'accord? Mais j'ai quand même envie de le faire, et en fait les graphismes et le côté un petit peu stylé du jeu me manquent. Donc du coup, il est vrai que je vous ai carrément concocté un petit Nuzlocke qu'on va faire sur Pokémon Diamant et Argent et que j'ai hâte de faire avec vous d'ailleurs. Voilà, voilà ce qui nous attend. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est qu'en 5 minutes, on a déjà pris quasiment un niveau sur Ratatif. Ratatif. Oh, quelle honte de me tromper. Ignominie, erreur de la nature. Non, sur Miradar, du coup. Et puis, donc sur Miradar, déjà, je me suis trompé. Et puis, après, bien évidemment, de faire un niveau sur... Dans le marron, ça ira très très vite. Hein. Donc peut-être que finalement le retard entre Twitch et YouTube va peut-être pas se réconcilier aussi vite. Chacun ses problèmes. De toute façon, on les réglera comme on peut. Mais laissez-moi reprendre le best-of tranquillement. Quoi. De toute façon, vous aurez déjà le côté Maillard réglé en une semaine. Vous devriez avoir la forêt d'empoigne la semaine d'encore après. De toute façon, la forêt d'empoigne, on a passé quoi? On y a passé 2 heures. À peu près. Je sais pas vraiment, mais bon. Je suis pas un professionnel des mathématiques actuellement, mais... Là, j'ai pris un petit retour à zéro sur les mathématiques récemment. Ça m'a montré que j'étais pas si fort que je pensais en calcul de maths mentaux, quoi, mais... Oh la vache. Deux niveaux, j'ai dit. Hein. De toute façon, là, je vous dis, on a essayé de trouver un petit peu. Parce que là, je vous avais dit que quand j'avais fait la pause de Twitch, j'avais trouvé en fait. J'ai vu d'autres personnes faire du Nuzlocke sur Twitch. Et en fait, le plus gros du problème, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre doser le niveau des Pokémon pour les arènes, pour pas se faire trop déchirer la gueule, et savoir animer son stream. En effet, si je mettais par exemple actuellement tous mes Pokémon au niveau 35. Bah, je suis sûr que ça vous ferait chier en fait, mais peut-être que tout le monde me le dirait pas. Mais ça vous ferait chier que je mette tous mes Pokémon au niveau 35, on y passerait 3 heures par lieu en fait, littéralement.
Du coup, faut trouver une espèce d'équilibre pour que nos Pokémon soient quand même à niveau pour pas trop se faire péter la gueule quand il y aura des problèmes, mais en même temps tenir la route. Donc là, actuellement, on est en train de mettre au minimum niveau 30 et prendre 2 niveaux pour les autres. Et on va faire comme ça pour toutes les routes, quoi. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que à partir de la prochaine route, on va avoir un Pokémon en plus. Alors, bon, dit comme ça, c'est pas un problème, et dans les faits, ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. Oui, j'ai oublié une liaison, là, il me semblait bien. Mais, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir mettre ce Pokémon dans le PC. Donc maintenant, si un Pokémon sera mis KO ou, entre guillemets, mourra dans le... comment dire... dans le Nuzlocke, on va pas dire comme ça, ce sera plus rapide. Eh ben, vous pourrez tout simplement voir notre autre Pokémon revenir dans l'équipe. Et donc, on reste à 6. Un Pokémon sera mort, on aura un Pokémon en plus. Seulement ce Pokémon qu'on aura eu en plus, imaginez qu'on le capture à la prochaine route. Enfin, on le capture à la prochaine route, mais imaginez du coup, on le capture à la prochaine route. On dépasse donc l'arène de Bardan, on fait 3 autres routes, et un de nos Pokémon décède. Oui, mais le Pokémon qu'on a pris à la route avant Bardan, on l'aura pas XP entre, donc il faudra le re-XP encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en fait, le Nuzlocke, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. À faire en stream. Mais bon, faut pas vous dire que là, il y aura 3 jeux qu'on va faire en Nuzlocke. À savoir Pokémon Noir, Pokémon Diamant Étincelant, et on conclura par Pokémon Noir 2, qu'on fera quand on aura fait tous les autres jeux les autres jeux de la 5G. Je vous rappelle que dès qu'il y a une possibilité, on casera Poképark 2, qui sera également mis en best-of sur la chaîne principale. Et Poképark 2, je peux vous assurer que c'est une petite pépite de jeu vidéo, ça. Là, j'ai vu que la référence Pokémon française appelée Fildrong avait joué à ce jeu. Je me dis que c'est possible de le faire en stream. C'est pour ça que c'est ça passe de là que par l'idée. J'ai vu que quelqu'un avait rendu ça possible actuellement de pouvoir restream le jeu sur du Twitch. En mode, c'est que c'est possible d'y jouer et de stream en même temps. Je me dis que c'est une possibilité qu'on peut essayer de faire. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Rush 5G. C'est-à-dire que je me suis fait une torture mentale pour pas aller voir ce gameplay de jeu de roi. Parce que, excusez-moi, Poképark 2 est ce qu'on appelle un jeu de roi. Il faut avoir des goûts de roi pour aimer ce genre de jeu. Mais Poképark 2, du coup, c'est un jeu que j'ai fini pour le coup, déjà. Mais c'est un jeu... voilà. Donc du coup, on le fera, puisqu'il est dans le rush de la 5G. Et après, je sais plus vraiment dans quel ordre j'ai dit qu'on faisait... Ah aussi, j'ai dit Pokémon Rumble, pour vous introduire un peu avec l'âme de la justice. Et Pokémon Rumble est un jeu extraordinaire que j'ai fait déjà 3 fois. Et franchement, l'histoire est super émouvante. Vous allez l'adorer. Pareil, best-of sur la chaîne principale. Et vous aurez après Donjon Mystère. Alors ça, j'ai jamais fini. J'étais jusqu'à la porte de la forêt. Je suis bloqué au boss final, en fait. C'est simple. Il y avait un boss final. Et comme j'avais pas exploré mes Pokémon, bah, je me faisais péter la gueule, en fait, en 3 coups. Donc là, j'étais un petit peu en PLS. J'allais pleurer tranquillement chez moi. En mode, bah, je suis bloqué à la fin du jeu. Je suis une merde. Et voilà. Bon, c'était évidemment du second degré. Mais j'ai quand même pas réussi à passer le boss, quoi. Écoutez, on a chacun notre niveau dans Pokémon, de toute façon. Ça, vous l'avez... voilà. Donc voilà le problème de Pokémon Donjon Mystère, et on conclura du coup le rush de la 5G par Pokémon Blanc 2, qui est un jeu extraordinaire que vous avez déjà vu pour certains sur YouTube, parce que je l'ai commencé une fois, mais que j'ai jamais fini parce que j'étais défoncé par le son, en fait. Je vais sur mon téléphone et comme j'ai pas trouvé la touche pour changer le son, bah j'étais niqué par le son, et du coup on m'entendait pas parler, et ça m'avait saoulé une fois que j'ai pas sauvegardé. Voilà, bon, c'était des longues histoires, hein, mais... tout ça est maintenant derrière nous, puisque nous sommes actuellement sur le début du rush de la 5G, et ça, je peux vous dire... pixel sur pixel. Mais évidemment, quand même, on sera quand même coupé dans ce rush, puisque Poképark 2, il me faut un meilleur PC. Ah, oubliez tout de suite l'idée de Poképark 2 dans moins d'un mois, de toute façon, parce que... en fait, il faut... Poképark 2, c'est un jeu de Wii. Hein. La Wii, croyez-moi, faut pas... là, le jeu de DS tourne sur mon PC, et c'est déjà pas si mal. Alors que... un jeu autre que sur Wii... on pourra pas le faire tourner, hein, je vous dis. Là, actuellement, Poképark 2... alors, c'est simple. Vous imaginez, vous avez déjà la caméra qui est floue. Si je lance Poképark 2, il y aura une petite césure par ici, en mode bien l'écran cassé, et vous allez rien avoir du tout. Voilà comment ça va se passer. Non, en vrai, j'exagère un peu, mais je pense pas pouvoir vous stream du Poképark 2. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a des trucs prévus hein, pour Twitch, des investissements en termes financiers, je parle, et même pour YouTube. Il y a des trucs, ne vous inquiétez pas, on n'est pas lâché en manque d'idées. Là, on a plein d'idées, maintenant, il faut les concrétiser. Là, vous avez vu le début de la nouvelle scène Fall Guys, qui va être mise à jour.
Quand on sera sur Super Smash Bros, vous verrez l'autre mise à jour qu'il faut que je prépare, j'ai toujours pas commencé. Bah, c'est une honte, c'est quoi? C'est comment Super Smash Bros? Attendez, je vais regarder. Là, je veux pas vos messages, hein, je vais sur Discord. J'ai prévu quand déjà Super Smash Bros? Super Smash Bros, je l'ai prévu quand ce truc? Jeudi, je l'ai prévu jeudi. En vrai, voilà, jeudi vous aurez. Bah, je vais préparer une nouvelle scène d'ici jeudi. Enfin, c'est une nouvelle scène, c'est juste comme Fall Guys, hein, c'est un petit dessin. Mais c'est un petit truc sympa que j'ai prévu pour, avec mon nouveau main. Bon, on fera un dessin de Sephiroth pour. En fait, le nouveau main Sephiroth, on met deux mains. En fait, le problème, comme je vous l'ai dit déjà, on reviendra dessus jeudi. C'est juste que Sephiroth demande un niveau de jeu de base. Moi j'aime pas le niveau de base, donc on va prendre déjà un personnage un petit peu plus facile. Et après on retournera sur Sephiroth. Et ça sera nos deux mains du coup. Mais n'oubliez pas qu'on fait tout ça dans le but de faire des compétitions. Alors, je veux pas être un grand joueur d'e-sport, mais vous inquiétez pas qu'on fera des compétitions d'e-sport de temps en temps, bien sûr, tout est prévu. La Zilane 2023, on y sera. Voilà. On va aller le dire au moins une fois clairement. Alors, la cheveux sur ce côté-là. Oh, ça nous défonce. Ça nous gêne pas de défoncer nos propres Pokémon à côté. Mais non, je pense que là, en vrai, il reste. Je calcule pas la minute près, hein, attendez-moi bien. Il nous reste à peu près 55 petites minutes de Pokémon noir et blanc. Dites-vous que je pense qu'en 55 petites minutes, nous pouvons maxer nos Pokémon comme il le faut. Et ce, sans problème. Donc je pense que vous aurez le début de la prochaine route dans ce let's play. En tout cas pour Twitch, parce que YouTube, vous êtes encore un petit mois je pense, YouTube. Niveau 28, flatterie. Quoi flatterie déjà? Non. Alors ça c'est pareil, je vous avais déjà dit, il y a une autre attaque qui était pareille, je crois que c'était Vantardise ou une connerie comme ça. Non, on n'augmente pas l'attaque SP, parce que si on augmente l'attaque SP, Confus, c'est une chance sur 4, je crois, une connerie du genre. Enfin, c'est pas du tout rentable. Hein. Bonjour! Je viens prendre de l'XP! D'ailleurs, actuellement, j'aimerais revenir sur un petit truc très rapidement pour ceux qui aiment bien regarder des films Pokémon. Vous vous souvenez que je vous avais parlé qu'il y avait un Zoroark qui a moins de 100 mètres, qu'il fallait des Pokémon chromatiques shiny, qu'on avait un événement. Vous savez que c'est en lien avec un film. Ce film est actuellement disponible sur la télé Pokémon puisque ça fait du film Zoroark. Alors Zoroark, Zoruat, Ultralala, vous avez une belle histoire. Alors je l'ai pas vu, mais je l'avais lu en manga, parce qu'il y avait des mangas sur les dessins animés, les films à l'époque. Et du coup j'avais lu ce manga. Et pour le coup, bah, l'histoire est excellente il me semble. Ça fait bizarre de voir des images bouger plutôt que lire des pages de manga sur ce genre de truc, mais... D'ailleurs, j'ai parlé s'il y avait des mangas sur les lames de la justice, faudrait que je regarde s'il y en a. Sauf je crois que je n'ai pas revu. Sauf j'ai pas été voir depuis très longtemps les mangas, quand j'y pense. Parce que oui, les mangas Pokémon sont quand même un pur banger, hein, faut en parler. Je les ai pas tous lus, j'en ai lu quelques-uns, mais j'ai toute la génération de Noir et Blanc. Noir et Blanc 2 est sorti il y a pas très longtemps, un manga, je vous le conseille. Faut l'avoir lu le 1 avant, hein, c'est mieux. Ça, sont géniaux. Ils sont un petit peu lents à démarrer, puis après, l'histoire devient vraiment intéressante, et les champions de l'arène sont vraiment bien en avant. J'ai lu les rouges, bleus, verts, jaunes, violets, bombes, enfin, la première génération, quoi, je l'ai lu aussi. Là, je l'ai sur mon téléphone, parce qu'on pouvait l'acheter en ligne. Et j'ai lu Ruby Omega. Ça, je sais plus à quel point je l'ai lu. Enfin, je sais plus l'histoire, en fait. Alors, si vous allez me dire, ouais, la Team Magma, oui, la Team Magma, la Team Aqua, oui. Mais je me souviens plus exactement de... Je me souviens plus exactement de s'il y avait les gemmes de Rosa ou si c'est juste la deuxième génération. Mais je l'ai lu aussi, de toute façon. La troisième, pardon. Troisième génération. Ça, je me pose des questions. Et puis, j'ai lu qu'il y avait la quatrième génération qui était sortie. En manga aussi. Je l'ai même pas lu, hein. Je n'ai pas commencé. Mais le début de l'histoire m'avait pas hypé. Je l'avais vu plutôt à un magasin. Le début m'a pas hypé du tout. Puis après, il y a XY. Ouais, j'ai lu le début. Bof. Mais faudrait que je recommence à la limite. Que je relaisse une chance manga.
excusez-moi, tant que je me recale un peu sur le sommeil, mais... Ça va bien se passer. Par contre, on n'a pas une... Mais oui, sur cette zone-là, bah, après, il y en a un qui nous avait été volé de l'autre côté de l'arbre, mais... On n'a pas une... Non mais oui, sur celui-là. Je pense aller soigner nos Pokémon pour garder le macho sur Miradar me semble très worse. Je vois Kirby sur Pokémon, faut dire aucun sens, excusez-moi. Petit dérapage musical là, excusez-moi, je leur ferai plus. Vous savez ce que j'espère dans ce run, c'est que j'espère avoir un coupe-note en Nuzlocke. Rien, mais écoutez, on ne perd pas le de sens, le véritable vu des Pokémon. Là qu'on n'a pas Victini, on doit faire avec. Vous savez bien que j'ai doucement le seum, il va pas avoir Victini d'ailleurs. Petite sauvegarde, histoire d'éviter d'avoir le seum quand on finit le stream. Petite sauvegarde quoi. Pam 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 pam. Qu'est-ce que j'aime bien quand ça bug un peu. Ça me donne plus de temps pour faire des erreurs sur la musique. Il y avait été jusqu'au bout. Ah oui. Excusez-moi, messieurs, vous me dérangez. Ok. Sauf que je change pas de Pokémon, je te pulvérise, pardon. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Petit lag là non? Ce côté là, ça dégage. Bon, ça va être de plus en plus simple. Parce que là, les niveaux, c'est plus on augmente, plus les niveaux demandent de l'XP. Mais là, sachez une chose, c'est que plus on avance. Enfin, là, les Pokémon, là, on va être Miradar au niveau 34 par exemple. En effet, c'est un petit peu chiant, je ne le cache pas. Mais l'autre, c'est au niveau 32 qu'il faut le mettre. Donc on aura quand même plus de facilité à le mettre au niveau 32, quoi. Combat duo. N'empêche, je sais qu'en me mettant sur Twitch, j'ai envie de faire des Pokémon en Nuzlocke.
C'est, en fait, c'est assez incroyable que ça m'ait mis en Nuzlocke, quoi, mais c'est de la motivation, c'est une fierté personnelle, après. Après, vous mettez... pour ceux qui sont en recherche d'emploi, comme moi, quand vous êtes en recherche d'emploi, vous allez sur Twitch, vous faites un jeu en Nuzlocke. Et quand vous avez fini, vous allez sur votre CV Pôle emploi et vous mettez « Effet Pokémon en Nuzlocke », comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça montre votre détermination et votre passion pour un jeu. Ça montre votre capacité à réfléchir et à faire des bons combats Pokémon. Ça peut convaincre votre employeur, sachez-le. Là, j'ai un entretien mercredi matin, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec le stream. Je dirais à mon employeur, ouais, j'ai fait Pokémon en Nuzlocke, ouais, comme ça, vous voyez, il sera en visio. Je dirais, ouais, ouais, j'ai fait Pokémon en Nuzlocke, ouais, ne vous inquiétez pas, c'était facile, comme ça. Et je serai embauché à cause de cette différence par rapport aux autres. N'hésitez pas à faire Pokémon en Nuzlocke. Yo, play. Ah, il fonctionne bien, Nightbot, hein. Il est en forme. C'est bien, Nightbot, tu seras payé toi aussi. Je sais pas s'il a un site de dons, Nightbot. Ça fait 10%, je suppose. Ça fait 10% divisé par 4. Hein. Vous êtes un de plus, et puis voilà. De toute façon, il a l'épée. Voilà, il a l'épée. Vous serez payé par 4 de toute façon. Ah ouais, t'as pas rigolé, franchement. Ah, j'ai du mal à y croire quand même, je t'avouerai. De toute façon, ça me reste toujours en travers de la gorge que les modérateurs des grosses chaînes sont pas payés de toute façon. Excusez-moi, mais un modérateur sur une grosse chaîne doit être là tous les jours, il est pas payé, ils sont plus de 20 000 à modérer, enfin, il y a plus de 20 000 à modérer, enfin... Je sais pas, moi ça me sidère, vous serez payé, vous inquiétez pas, mais juste à 10% de ce que je touche sur Twitch, hein. M'emmerdez pas. De toute façon, je crois que pour les affiliés, le plafond est sorti à 50$, donc vous serez payé 10% de 50$, et vous aurez 5€ à diviser par 4. Toutes des conneries de bot, heureusement que t'es pas en train de boire, je suis avec mon café. Bah. Et au moins! Ah ouais, non. Non, mais si on était en hiver et que t'aurais reçu du café, t'aurais eu chaud après. Mais bon, non, là on était, donc si t'aurais reçu du café, t'es encore plus chaud, quoi. J'ai rien dit. Bah, évite de boire quand t'écris, quoi. Toi, tu seras pas en train d'en mettre partout quand je répondrai, quoi. Petite sauvegarde, là. Je sens mal le jeu, là. On a fait deux fois sans sauvegarder, déjà. Petite connerie de ma part. On fera pas une troisième, quoi. Vous imaginez, on finit la ligue, et là je vous dis, bon, on va visiter un peu la région en Nuzlocke, et là j'ai pas sauvegardé la ligue. Allez, open. Ça peut arriver, hein, vous inquiétez pas. On sauvegardera bien 3-4 fois après la ligue, pour être bien sûr. Excusez-moi. Non, c'est pour me réveiller. Il faut dormir la nuit. C'est quoi ce bordel, là? On se réveille pas à 2h30 là, normalement on est réveillé, quoi. Au niveau 32 que Mirada au niveau 34 comme. Excusez-moi, Nintendo. Le Pokémon n'évolue pas correctement. Pourquoi il est pas là le mouton? Peut-être qu'il a plus de laine, hein. Qui sait? Ça lag, je suis doué de descendre trop lentement là. Ok. Oh, je sais ce qu'on va faire. Oh, je viens d'avoir une idée de dingue en vrai.
Alors, petit teasing très rapide. Si on a les 100 followers sur Twitch avant la sortie du jeu Pokémon, avant que je lance le premier stream du jeu Pokémon, du prochain, on le fera en Nuzlocke. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le jeu. Et si jamais on a les 100 avant, on le fera en Nuzlocke. Pur roue libre, là j'ai une idée à la con comme ça. Beaucoup le son du jeu. Ah oui! De toute façon, c'est plus important le son de ma voix que le son du jeu, non? Je vais le monter un peu. J'aime pas tout le temps le son. Alors, le son du jeu. Voilà. Ça, vous l'aurez. On n'aura plus le droit d'en aller après. On va le cacher la souris. Bonjour, je viens vous péter la gueule pour l'XP. Ah, maîtresse de PV, tu le fais exprès, mais crève s'il te plaît quoi. Tu me coûtes des tours pour rien là, c'est une perte de temps ça, hein, je reconnais. C'est le Pokémon, même j'ai mis à Miyazu. Tu sais, je veux dire, t'as pas voix au chapitre en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, non. Miamias, mais très joli, y'a pas à être salé comme ça. Parce que Miamias, mais plus joli que Goupy, on va se battre quoi, c'est pour ça, y'a pas de soucis. Hein. Mais sinon Mirada, j'allais dire ils m'aident pas beaucoup. En fait je viens de me rappeler que l'amitié dans Pokémon Noir et Blanc, enfin, on s'en fout quoi. Pokémon il peut t'adorer, il guérira pas tout seul quoi. C'est une définition de te laisser crever dans un sens, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bonjour Merville, c'est moi! Wouhou! Acclamez-moi! Pardon. Pam palam pam. Pam palam. Non mais oui, où es-tu? Je vais me prendre un Pokémon qui me donne de l'XP. Si jamais j'ai des éditeurs de ROM dans mon chat, n'hésitez pas à mettre des ROM, vous mettez plein de noms mais oui qui pop comme ça. Genre le même jeu mais avec plein de noms mais oui. Juste pour farmer un peu plus vite quoi. Pensez aux streamers. Allez, bientôt le niveau 34 des 32, ça va faire très drôle de passer comme ça d'un niveau à l'autre.
Il est quelle heure? 23, il reste une petite demi-heure. En vrai, en une demi-heure, on peut finir cette route, hein. J'y crois. Hein. Croyons-y ensemble. Croyons-y. Je fais exprès de faire une faute, hein, sachez-le. J'ai juste à bien la faire pour pas faire non plus trop de la merde. Croyons-y ensemble. Oh, ça a accéléré, j'appuie sur une touche, je réactive tout de suite, dis donc. Au secours. Ok, il faudrait qu'on dépasse le 9 et le 3 bientôt en fait. Il restera plus beaucoup d'XP à avoir à partir de là. Bonjour à tous. Fuyez-moi. Là on est défoncé vite fait là non? Là on est à un stade où c'est des one-shot sur one-shot là. Arriver à un stade où ils vont prendre les deux niveaux en même temps. Il manquera presque plus que Doudouvé à monter quoi en fait. Ensuite, c'est très fourbe, c'est-à-dire que ça prend encore plus de dégâts si vous changez de Pokémon. Genre c'est une poursuite quoi. Allez, niveau 34 et 32 bientôt. Oh, niveau 30 atteint, c'est parfait ça. Attendez, vous savez pourquoi c'est parfait? Parce que là le Pokémon est déjà bon avant même d'être bon. Attends, on va te donner du multi-exp. Multi-exp. Je sais pas comment les gens prononcent. C'est bon les pommes. Bah, les vertes quoi, pas les rouges. Les rouges c'est permaban. Les vertes ça passe. Les dorés c'est gentil. Il y a une alliance avec les dorés contre les rouges. Niveau 32, bientôt sur de la rue marron, ça va être pixel. Par contre, Bella est en train de prendre tout notre XP en fait là. Elle est en train de pomper notre XP, Bella. C'est quoi cette connerie? Elle en prend 140 alors que ils ont 40, avant ils avaient 80. Mais Bella, rends-nous l'XP! De notre partir sur une blague politique avec grand l'argent, mais je le ferai pas parce qu'on est sur Twitch et je sais que Twitch et blague politique c'est pas vraiment. En plus j'y connais rien, je sais même pas qui c'est qui doit rendre de l'argent donc. Enfin plutôt, je sais pas qui doit pas rendre de l'argent, lol, pardon. Voilà, on arrête les conneries. La politique c'est pas fait pour être sur Twitch de toute façon. De toute façon, moi la politique j'y connais rien pour faire de l'humour. Ah si, j'ai une blague, vous savez pourquoi faut adoucir les coins pour faire de la politique? Parce que la politique elle est polie. Voilà, non, ça s'arrête là par contre, arrêtez de me rendre des blagues sur le, la politique, c'est pas vraiment... Pas vraiment mon fort, j'ai compris. Niveau 32 là. Oh.
pété un câble. Prends ton niveau 32, s'il te plaît. Oui, niveau 32, mesdames et messieurs. Ça lag doucement, mais il y a le niveau 32, on s'en fout. Bah, il évolue pas. Ok. Là, vous avez bien conscience que le but du truc maintenant. C'est une douille en vrai, cette merde. Oh la full douille que je suis en train de me prendre par contre là sur Doudou, sur Doudou V, ouais. Doudou V n'a actuellement pas le niveau de Pokémon de base de la foire d'empoigne, hein, je vous le rappelle. Là, tomber sur un combat en duo serait très profitable à petit Doudou V en fait. Peut-être qu'on devrait. Ah ouais, peut-être qu'il faut. Attendez, je pense que la strat, c'est de le faire évoluer maintenant. Pour avoir un Pokémon plus puissant en fait, genre en termes de PV, de résistance. On peut pas se permettre de prendre un risque de perdre le Pokémon en fait. Mesdames et messieurs, l'évolution de Doudou V. Restez silencieux s'il vous plaît, pas de bruit. Et admirez l'œuvre d'art qui va apparaître sous vos yeux. Waouh, le Pokémon est magnifique! Un des plus mignons de la 5G, si je peux me permettre. Pendant que le Pokémon est plus puissant, en termes de PV et de tout le tralala, on peut se permettre d'aller en combat. C'est une boule, quoi. Ouais, puis Goupik, c'est un chat, quoi. Enfin bon. Complètement ravagé, toi. Hein. C'est une boule. C'est une boule. Non mais. Un renard, c'est le pomme rouge. Non, alors, le renard, c'est déjà pris, en fait. Donc, tu feras attention. Le renard, c'est son évolution. Un renardeau. Ouais, oui, déjà un petit peu. Renardeau chat, allez. Voilà. Donc bon, c'est une boule, fin. Pauvre petite boule, elle a rien demandé. C'est pris une belle perdue. C'est un très joli petit nuage avec une toute petite boule toute mimi qui est au milieu. Et qui fuit comme ça, qui fait quand même. Comme si elle avait pas de gravité sur la lune, tu vois. Comme ça, elle monte doucement. Enfin. T'as presque envie de le prendre dans tes bras tellement c'est mignon, je suis sûr. Ça, tu pourrais dormir dessus, tu t'en rendrais même pas compte tellement c'est un nuage tout mimi. Quoi, je suis tourmenté? C'est de la merde ça. Je suis pas tourmenté, je le démonte le machin. Je pars à mon niveau 34 s'il vous plaît. N'empêche, Max est un survivant. Là au moment où on a eu une hécatombe et qu'on a perdu tout le monde, Max a survécu. Pensez-y. Ça roule quand ça se déplace cette petite. Non, non, ça vole, ça saute, ça. Comme ça. Pardon. Ça roule. Non, mais au secours, ça roule, le Kamezi. Alors, du coup, l'XP, faut le mettre sur Jin, parce que du coup, c'est la plus faible de l'équipe pour l'instant. Hormis Bella, mais Bella est en train de l'XP, donc on va pas mettre le multi-exp sur quelqu'un qu'on est en train de. D'XP. Si t'as un Goupix, tu l'appelles Jin ou pas? Y'a pas de Goupix dans ce jeu-là, c'est dans le 2 qu'il y en a un. Mais comme tu m'as fait chier avec le Nutella au moment où j'étais en manque de dalles, nul ce jeu. Peux ban sur téléphone? Non, c'est ma modo, je peux pas ban mes modos de toute façon, ça ferait mauvais genre. De toute façon, profite du run de la 5G, d'accord? Le run entier du jeu. Et profite de la beauté de ce jeu-là pour l'instant, d'accord?
Tu verras quand tu auras compris toute la beauté de la 5G de A à Z, tu seras émerveillé et t'oublieras Goupil de toute façon. Il reste une demi-heure. On a une demi-heure pour faire gagner 11 niveaux à Bella. Easy, on le fait ça, les gars. Easy. Ah, t'as que ça comme attaque. T'es bien plante, toi. Hein. Petit aqua jet là. Ah ouais, tu vas me poser un petit problème, Bella, en fait, là. Non, 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 tu crèves pas. Alors, on démonte Miam Miasme, hein, on n'a pas le choix. Hein. C'est bon, on est sauvé. Il m'a fait 30 PV d'un coup, le malade! En vrai, c'est la merde, hein. S'il me fait 30 PV d'un coup, c'est foutu! C'est finito, cette merde! Enfin, Bella, tu me fais quoi? T'es censé prendre de l'XP, pas te faire défoncer la gueule! Pourquoi tu gagnes 73? T'as affronté un niveau 22, tu devrais prendre plus d'XP que ça normalement. Oh non. Oh c'est bon, c'est un duo. On soigne le Pokémon et c'est bon. Prise de risque minimale. Attends, oh non même. Vous savez quoi, on va optimiser. On va soigner un attaquant. GG, on est dans le vert, les amis. Même pas besoin de potions. Vous voyez, pas besoin de paniquer. Tout se passe bien. C'est de la merde, en vrai. Hein. Et voilà, GG à nous les amis. En fait, même dans le centre Pokémon, on a méga Sanxu. Vous imaginez vite fait? Il n'est pas énorme qui bougeait à l'instant là? Excusez-moi, ce jeu me rend fou. h 36, un peu compliqué quand même. En plus, parfois du V sévère, hein, je tiens à le préciser. Encore, ouais, avec plaisir, merci, merci. Vous savez que j'ai vu avant de lancer le stream, j'ai vu un tweet d'une personne qui disait que streamer c'était très compliqué dans le sens où tu streams quand les gens sont libres et quand les gens sont au boulot tu t'emmerdes parce qu'il n'y a plus personne du coup. Ouais, quand t'es streamer t'as pas de vie sociale. Vous savez qu'en fait faut juste s'organiser, hein, vous en êtes conscient. Si vous faites bien votre organisation, vous pouvez très bien être dispo quand les gens le sont et bosser quand les gens bah, bossent quoi. Enfin, faut juste savoir s'organiser un petit peu en fait. Ça, c'est quelque chose, pas beaucoup d'expérience dans le métier, mais je peux vous dire qu'avec un peu d'organisation, on peut faire ce qu'on veut dans une journée. Hein. Une organisation catastrophique pour l'instant. J'ai des heures que je respecte
plus ou moins. Mais on essaye de s'y faire, hein, et de rester régulier pour Twitch. Ah merde. Petit coquillame là, non? Vite fait, pour te de détruire vite fait avant que tu me défonces la gueule là. Vous savez que... il me semble, à 90%, que Doudouvé a pris le type fée dans... quand le type fée a été créé. Enfin, parfois du V du moins. 21, plus que 9 niveaux. C'est bien, Bella. Oh, Bella. Oh, Bella. J'ai plus la musique dans la gueule. Hein. Je démerderai avec ça. Je touche les deux, là? Ah non, juste Captain. Parce qu'en plus, tu vises comme un pied, quoi. Donc, faut quand même le préciser aux gens. Et c'est finito pour ce Scrotella qui vient de se prendre un one shot dans la gueule. Ça va être plus long que prévu, j'ai l'impression, pour Doudouvé en vrai. Pourquoi ça va être aussi long? Elle a plein de niveaux de retard, elle devrait prendre plus d'XP au contraire. Pourquoi elle en prend pas? Je comprends pas. Bon, ma petit combat solo. T'as combien de niveaux d'avance? T'en as 3? Je suis full life, t'es foutu. Petite paralysie pour commencer. D'ailleurs, c'est comme un combat de catch. Vous vous boxez comme ça et là vous êtes prêt. Vous vous défendez pour protéger la paralysie. La paralysie, c'est la défense. Une fois que vous êtes prêt, vous lui défoncez sa gueule. Vous frappez comme il faut, donc au niveau de la tête, surtout sur le nez. Ça, vous déstabilisez votre adversaire. C'est comme ça. Pas un Pokémon, c'est comme du catch. C'est un bon moyen, un bon moment. Excusez-moi. Petite idée sur ta qui vient de faire là actuellement. Je ferai pas la blague parce qu'on est sur Twitch, mais. Elle a fait une bonne attaque quoi. Et elle, parce que c'est un miasme femelle. Enfin bon. On va éviter quoi. Eh ben non, je suis pas de l'équipe pour rien parce qu'on a une hyper potion. Allez, salut mes miasmes. Ah, il m'a vraiment fait... ah, pour le coup, il m'a vraiment fait peur. Attends, stop. Ah, attends, stop. Non, c'est bon. Oui, il m'avait déjà attaqué avant. Il a pas eu la paralysie. La chance est très clairement de mon côté, là. Torgnole, ok. On tank, là. Par contre, on est prioritaire à lui là. Attendez, j'ai déjà attaqué. Ok. Go méga sensu en fait. Putain, je me soigne pas assez. Là, faut que je mette une potion sous le détritus pour me mettre KO en fait. Hein. Là actuellement il a en ses possessions un moyen de me one shot. C'est tout sur un coup critique en plus. Stockage. Ok. Soigne. Ok. Tu vas prendre ta race quand je vais te toucher toi. Il est paralysé, les amis! C'est ça, la win! C'est la paralysie du Pokémon. Et regardez bien, parce que ça va vraiment faire mal. On galère contre un Pokémon sauvage, mais c'est pas ce que vous croyez. Nuzlocke est beaucoup plus facile que ça. Ok, on a passé... le... vous voyez la petite barre, pour dire que c'est une femme, là? Vous voyez la petite barre sur le niveau 24? Eh bien, on l'a passé. Maintenant, faut aller jusqu'à Miami. Faut aller jusqu'à son prénom, en termes de points de vie. Et après, on pourra dire qu'on est bon, pour changer de Pokémon, et donc... faire l'XP entre eux. Même s'il va se régénérer avec Aval, de toute façon, ce qui va être super chiant pour nous. Ok, on a passé la barre de sa vie là, allez.
Faut créer la différence, les amis. Faut créer la différence. Ok, c'est pas mal ça. Stockage, vas-y, augmente ta défense, frérot. Mais plus tu vas avancer, plus je vais te faire mal. Tu dois faire ce que mon parfum du V n'est pas comme les autres. Le mien est nuageux, croqueux, enfin, comme tu veux en E. Mais. Il est prêt, quoi. Ok, c'est bon. Oh, la paralysie qui va créer l'écart. Oh là, on est bon là. Là, je vous assure, on le détruit comme ça. Hein. Ça va prendre du temps, mais pour l'XP, c'est parfait. Détritus. Non, non, c'est bon, j'avais pas. Attendez. Non, 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 non. Oh, 17. On souffle. On va lui laisser un tour de pour respirer. Là, faut croire en moi. Là, là faut qu'on soit tous ensemble dans le bateau. Et on navigue vers la victoire. Bah alors, t'es paralysé, petite merde. Bah, je comprends, oui. Maintenant, faut me laisser gagner. Attendez, hein, on est tous ensemble. On savait que ça allait être dur, type poison défonce le type plante en théorie. Hein. Heureusement que je suis pas type fée, j'aurais fait baisse x4 sur le type poison. Il a monté au-dessus de sa barre. Faut qu'on y retourne. C'est point de vie, c'est point de vie, c'est point de vie. C'est point de vie, c'est point de vie, c'est point de vie. Ça fait 15 minutes qu'on est sur ce combat, 15 minutes qu'il n'y a pas bougé ses points de vie. Un peu envie d'open la game, mais tout va bien. C'est pas ce que vous croyez. Au pire, on change de Pokémon à un moment donné, hein, vous savez. On le fera, ça. Si jamais on voit que c'est trop dur, on le fera. Là, on a encore des PP. Ça me tue pas, je suis 61 points de vie. Très, très safe. On va quand même jouer, parce que j'en ai marre, en fait. Ça commence à être un petit peu long. Au niveau 21, j'espère mes attaques. Je devrais avoir au moins 500 d'XP, là, non? 500, 600... J'en demande pas beaucoup. Je demande juste de monter de niveau. Excuse-moi, Miamiasme, tu t'es amusé? Parce que moi, regarde, je m'amuse là, regarde, regarde bien ta point de vie là. Hein. Tu faisais le malin tout à l'heure avec ton plus haut, j'ai fait stockage. Quoi? C'est quoi cette merde? Bah attends, mais t'es tanky? T'es tanky de ouf! Mais. T'es niveau 23, arrête de faire le malin! 24, pardon, je suis niveau 30. Mais il met ma race! C'est quoi cette merde? On a un problème là? C'est quoi ce Pokémon? C'est bon. Bah alors là. Alors là, Lana, quand même le. Non, bon. Gros problème quand même là. Non, mais là c'est quoi comme Pokémon là? Ah tranquille, c'est un Shoshidou. Merci, c'est pas la peine. Non, je signe pas les autographes, non. Ah non, ça y est, c'est gentil, je signe pas les autographes. Oh, je suis un chidou. Ouais, c'est le Pokémon à capturer à la prochaine zone. On va avoir une chance de le capturer à la prochaine zone, faut pas la louper. Là, celle-ci, j'ai raté, mais... Un Pachmia en Nuzlocke, ce serait un rêve, hein, actuellement. Merde, j'ai laissé le Pokémon préféré. Alors, techniquement, c'est Pachmia, mais oui, ça m'a fait mal au cœur. J'ai évité. Allez, sale merde. Méga Sanctu était foutu. Parce que Méga Sanctu, ça soigne le Pokémon. Après, c'est le Song Round. Niveau 22, on a pris un niveau de plus depuis. Non, pas du tout. Il a pas de détritus là, il a Torgnol. Vous savez pourquoi personne fait Torgnol dans Pokémon? Parce que c'est à chier comme attaque. Merde, par contre, il me fait un peu mal quand même. Non, mais arrête, arrête-toi. Ah, stop. Merde, il me fait mal.
Quoi? Captain? C'est quoi cette merde? Arrête. Bon, je cherchais à boire, bonne fin de stream. Aïe aïe aïe, RIP, en même temps il avait un nom de merde. Enfin, ça va, oui, ça suffit. Un nom de merde, je te jure, mais d'avoir déjà un nom. Mais putain. On y était, hein. On les avait, les 6 Pokémon, hein. Putain, Sony Captain avec son truc de merde là. C'est vraiment, de toute façon, Pokémon, c'est vraiment de la merde. De toute façon, personne ne s'amuse sur Pokémon actuellement. Pokémon, de toute façon, c'est dans une pente descendante. Plus personne ne joue à Pokémon. Je propose qu'on base sur Fall Guys après, qu'on oublie tout à fait Pokémon et qu'on en parle mais plus jamais de ce jeu de merde. Personne ne s'amuse sur Fall Guys, sur Pokémon de toute façon, c'est quoi Pokémon? Oh, on envoie des petites créatures combattre, oh, bah c'est drôle, mais je te jure, de toute façon... De toute façon on va le jeter à la poubelle dans le cimetière des morts, de toute façon, enfin pas du V. Je le fais évoluer pour qu'il soit fort et il me redonne une game quoi. Bah oui, il y a Escroco maintenant, hein. Enfin Crocodile. Oh, je suis pas, j'aime pas ce jeu de mots, mais quand même. Sniff. C'est une game open, ça. Ah, de toute façon on va passer sur Pokémon Diamant Étincelant, de toute façon ça c'est un jeu de merde, mais c'est un jeu de merde récent, donc hein, on va y jouer ensemble et puis voilà. En vrai j'ai, je fais semblant d'avoir un peu le seum, mais j'ai quand même un peu le seum d'avoir pris un farfadu V dans la gueule quoi, c'est pas mérité, excusez-moi. Mais vous vous rendez compte quand même, quand je fais semblant de faire un bon truc d'XP, enfin j'étais en train de faire une bonne run d'XP. On avait Méga Sanctu, on avait une potion, c'est un jeu de merde Diamant, non mais enfin... Non, c'est pas... Enfin, non, mais de toute façon, même Pokémon Noir, c'est pas un jeu de merde. C'est juste... Voilà, enfin, voilà. Bref. De toute façon... Le Nuzlocke, c'est un jeu de merde. Voilà ce que je veux dire. J'irai voir l'astu, j'irai lui gueuler dessus en me disant « Mais c'est quoi cette idée de merde que tu m'as donnée ?» Et puis il prendra sa part de toute façon, non ? Allez, un Pokémon de plus dans la catégorie des morts. Pas encore assez pour open cette merde. On a combien de morts de Pokémon pour l'instant? Parce qu'on s'en sort bien, me semble. 1, 2, 3, 4... Ah bah on a une équipe entière de Pokémon morts. Ça met bien. Open, hein, vraiment, c'est vraiment de la merde. Bah écoutez YouTube, pour ce qui est de YouTube on va s'arrêter là. Sur Twitch on va s'arrêter sur Pokémon aussi de toute façon, mais YouTube on va s'arrêter là pour le best-of. Bon, c'est vraiment un best-of de merde, je suis là pour le coup, je suis désolé de vous le présenter parce que bon,
Limite, il faudrait le supprimer et dire que ça n'a jamais existé, mais vous comprendrez pas pourquoi, pourquoi j'ai pas fait cette route si je le mettais pas. Mais voilà, on va laisser ce petit fail là, c'est vraiment de la merde. Mais c'est vraiment de la merde. Voilà, donc Twitch, reposez-vous bien, prochain best-of, ça sera la route entre Méanville et Port-Yonneuve. Un level par Pokémon à prendre, on capturera un nouveau Pokémon qui est au niveau 31. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne après-midi Twitch, et enfin YouTube, et au prochain best-of. Voilà, ça c'est bon pour YouTube, on n'en parle plus jamais, on a sauvegardé. Voilà, on se retrouve actuellement juste ici.